Nice, ville d'architecture et d'histoire, compte une vingtaine de musées sur son territoire. Parmi eux, le musée des Beaux-Arts présente non seulement des collections de peintures dignes d'intérêt, mais aussi un bâtiment remarquable, voulu et construit à partir de 1878 par une certaine princesse russe venue s'installer avec son mari sur la Côte d'Azur. Avant d'être au musée des Beaux-Arts, vous êtes d'abord dans un palais princier qui a vu le jour, si j'ose dire, à la fin du 19e siècle et sous l'instigation d'une princesse, donc la princesse Kotchoubey, dont le mari était l'homme de confiance, on va dire, du tsar. Et la princesse Kotchoubey décide, évidemment, sur un terrain un petit peu plus grand qu'aujourd'hui, de faire bâtir son propre palais. La présence russe à Nice date de cette époque environ. La famille impériale est venue s'y installer, sans compter certains grands écrivains comme Lermontov, Gogol et même plus tard Tolstoï. À partir de là, la présence saisonnière slave s'amplifia rapidement, mais à l'époque, c'est la saison froide qui attire. On y vient principalement en hiver. Fuir un petit peu les hivers rudes de la Russie, c'est quelque chose de tout à fait compréhensible. Ce sont des gens justement qui ont besoin de voir la lumière, et on sait très bien que tous les gens qui sont venus à Nice, c'est évidemment pour cela qu'ils sont arrivés. Et à partir de là, va s'installer véritablement un art de vivre, parce que c'est toute une communauté qui arrive, avec eh bien, tout ce qu'on peut imaginer, des artistes, des gens qui veulent se satisfaire de ces extérieurs. Et on va voir que si ici, autour du palais, il y a effectivement un jardin, je dirais quasi emblématique, l'architecture était décidée évidemment par la princesse avec différents architectes. Il faut savoir quand même que, avant que la demeure ne soit terminée, elle a été rachetée par un Américain qui s'appelait Thompson, qui va faire appel lui aussi, je dirais, à des compléments d'architecture. Donc, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est l'intérêt de ces villas palladiennes, comme on le disait, qui ont toute une histoire et qui est, je dirais, d'une certaine manière, un peu l'histoire de notre Europe, même d'aujourd'hui, à travers justement des gens qui viennent de l'Europe du Nord, eh bien, ce goût justement d'intégration d'une sculpture et d'une architecture, et raison pour laquelle les couleurs qui ont été choisies justement pour cette propriété ne sont pas choisies au hasard. Il y a véritablement ce besoin d'une couleur terre de Sienne, en quelque sorte, qui correspond justement à cette culture. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'ils ne vont pas s'implanter et imposer en quelque sorte un type d'architecture, qu'il y a vraiment quelque chose qui correspond à notre culture, qui est finalement notre culture méditerranéenne. Nous avons ici une façade qui en est en quelque sorte la droite démonstration, avec ses deux volets d'escalier. Je veux dire, on a justement cette vision, cette conception d'un mode de vie plus exactement, mais on va le voir aussi à l'intérieur et ce sera encore plus évident. Face à l'entrée, plutôt spacieuse, une pièce lumineuse entourée de deux canéphores, deux jeunes filles portant des cadeaux réalisés par le sculpteur français Armand Martial. Ces deux femmes annoncent là l'entrée du jardin d'hiver de la villa. Je dirais que le jardin d'hiver a une grande importance à cette époque-là. D'abord, c'est le rapport effectivement à ce besoin de faire rentrer la nature dans une maison. On est dans ce 19e siècle et fatalement, c'est quelque chose qui fait partie justement de cette organisation quotidienne de la vie de ces gens-ci. Mais surtout, l'important aussi, c'est d'être dans une nature, je dirais, maîtrisée par l'homme. Ça aussi, on n'est pas loin du romantisme et nous sommes dans cette idée.
Mais pour ces dames qui ne doivent surtout pas présenter leur visage au soleil, c'est l'opportunité d'être à l'intérieur d'une maison, protégée évidemment de tous les éléments naturels et d'avoir ce sentiment de l'extérieur. D'où effectivement cette grande verrière, qui est d'ailleurs aussi, il faut bien le reconnaître, nous sommes dans cette période où la maîtrise du verre et du fer n'est pas non plus quelque chose, je dirais, d'évident. Et donc c'est aussi une façon de montrer à ses hôtes qu'on connaît la modernité, on a des éléments qui permettent de savoir que l'homme, lui aussi, maîtrise la nature dans tous ses aspects. Au-delà, je dirais, de cette verrière, il y a cet accueil, on n'est pas très loin de l'entrée, une entrée qui, je le précise, n'est pas du tout en façade, comme nous l'avons vu tout à l'heure, façade sud. Pourquoi ? Parce que ces dames ne doivent pas présenter le moindre petit carré de leur peau au soleil, et donc l'entrée est côté est, parce que, évidemment, les invités arrivent le soir et c'est toujours une façade qui est dans l'ombre. Donc, on arrive de l'ombre, on arrive dans la lumière, du coup, de ce patio. L'installation, y compris les gouttières, etc., sont d'époque. Et donc, effectivement, c'est un entretien assez considérable, certes, mais on a vraiment, du coup, la lumière telle qu'elle était conçue à l'époque. Et ça, je crois que c'est un grand avantage pour ressentir peut-être l'âme de cette maison. Une âme qui transparaît aussi à travers un magnifique piano de concert en bois peint. C'est le piano de la baronne Vita, donc l'épouse de l'un des plus prestigieux donateurs de ce musée au moment de son inauguration, donc en 1928. Le baron Vita est issu lui-même d'une famille de banquiers, grande famille de collectionneurs. Il a habité Nice, bien évidemment. C'est ainsi qu'il rencontre et qu'il connaît Jules Chéret. Et c'est un monsieur donc qui va avoir des collections dans différents domaines. Il va non seulement donner près de 150 pièces de Jules Chéret pour cette inauguration du musée de Nice. Mais aussi un piano de la prestigieuse marque Erard. Un piano entièrement décoré sur le souhait du baron Vita. À l'intérieur, on découvre cette magnifique femme sortant des ondes. Peinture de l'artiste français Albert Besnard, connu pour ses œuvres influencées par le courant impressionniste. Alors, nous sommes toujours dans cette période tout à fait fin du 19e, c'est-à-dire que nous sommes à la limite entre l'art décoratif et le symbolisme. L'un des plus fameux exemples, c'est évidemment Gustav Klimt. Et nous sommes tout à fait dans cette ambiance, avec cette dorure, justement, qui vient à l'appui du côté décoratif, où la forme féminine, bien sûr, prend tout son élan. Partons à présent à la découverte du premier étage de ce petit palais, l'occasion de s'arrêter un moment sur le monumental escalier en marbre. Dans cette maison, nous avons deux éléments qui permettent vraiment de découvrir, je dirais, le caractère vraiment des gens qui l'ont occupé. En effet, on a vu le patio avec justement ce côté décoratif qui, je dirais, donne véritablement l'impulsion à cette maison. Mais l'escalier est un élément tout particulier, c'est certainement l'un des plus beaux escaliers de la Côte d'Azur dans ce type d'architecture. Il est en marbre de Carrare, il y a ces décorations justement sur les parois qui viennent du Portugal, toujours en marbre bien sûr, mais plus encore que cela, cette envolée, je dirais, est d'autant plus prestigieuse qu'elle a un sens. En effet, les hôtes justement qui accueillaient et qui programmaient des soirées fastueuses avaient pour, je dirais, habitude de recevoir leurs hôtes en musique, raison pour laquelle, en haut de la dernière volée d'escalier, il y a un plafond en berceau et tout autour, cette mezzanine qui était à ce moment-là occupée par des musiciens. Et donc, lorsque les gens arrivaient, eh bien, il y avait cette sorte de réverbération acoustique qui permettait à tous les gens qui étaient dans toutes les pièces de la maison d'entendre cette musique. Thank you.
faut savoir surtout, c'est que tous les murs ici étaient décorés. C'est une référence un peu à ce mode pompéien, donc là aussi, où nous avons une certaine nonchalance justement des personnages qui apparaissent dans ces lunettes, et donc jusqu'au plafond, où nous avions des ciels justement qui permettaient d'avoir cette montée vers la nature, vers une sorte d'aspiration musicale qui correspondait à ces personnes ici. Il faut savoir que ces pigments, ces peintures ont été révélés au grand jour petit à petit au fur et à mesure des restaurations murales. De façon plus large, ces redécouvertes font partie d'un programme avec appel à mécénat pour remettre cet escalier d'honneur dans son état initial, comprenant donc ses décorations. En attendant, poursuivons la visite de cette villa prestigieuse et tournons-nous vers le personnage de Marie Bashkirtseff. Cet artiste peintre d'origine russe vint à la fin du 19e siècle en France et d'abord dans la capitale pour trouver la modernité de son époque. Elle arrive à Paris pour suivre des cours de peinture à l'Académie Julian. Elle a comme professeur Jules-Bastien Lepage. Et c'est vraiment, je dirais, quelque chose d'assez atypique à l'époque, d'abord de voir une femme qui rentre vraiment dans le domaine pictural pour donner de son art, et en plus de ça, qui non seulement va en faire son métier. Elle est issue d'une famille aisée, elle va rencontrer un certain nombre de gens, toujours des hommes, bien évidemment, ce qui lui donne un peu ce côté, je dirais, rebelle, et qu'elle va garder, ce qui fait véritablement partie de son caractère. Elle est justement dans cette envie, cette ambition vraiment de connaître toute la France. Elle vient à Nice, elle va justement avoir des rencontres, elle s'intéresse à la musique aussi beaucoup, au chant, elle va écrire ses mémoires, et elle incarne véritablement cette culture russe qui veut vraiment se frotter à celle qui est bien répandue sur le territoire français, parce qu'elle cherche cette modernité, elle veut l'exprimer par tous les moyens. Malheureusement, elle meurt très vite. Elle meurt à 26 ans, elle est jeune, même si elle est très mature. On peut bien sûr imaginer qu'elle aurait peut-être dépassé ce côté encore un peu académique. On a justement des tableaux de Jules-Bastien Lepage, qui reste peintre à l'Académie Julian, qui va bien sûr incarner une forme de modernité, mais qui, dans le domaine du portrait par exemple, va garder justement un peu cette façon frontale de présenter son sujet, de représenter les attributs de la personne autour, quelque chose qui appartient de fait effectivement à un académiste, même si la touche elle-même devient plus libre, plus ouverte, parfois plus lumineuse, avec des contrastes assez exaltés. Eh bien, c'est ce mélange, je dirais, où on peut imaginer qu'effectivement, elle aurait certainement découvert un champ d'activité dans le domaine de la peinture. Ce tableau intitulé « La Réunion » est réalisé en 1884 par Marie Bashkirtseff à 26 ans, est un exemple frappant du style naturel de cet artiste qui veut attraper au vol un instant de vie. Ce sont ces jeunes garçons qui sont prêts à faire des bêtises. L'un d'entre eux, le plus jeune, vraiment, a une mimique très particulière. Et puis, au-delà, le long de cette palissade, on voit une petite fille qui s'en va. Rien ne nous empêche de penser que c'est Marie Bashkirtseff elle-même qui, un peu dans ce côté rebelle et coquette qu'elle a toujours été, nous donne l'image d'une petite fille qui prépare justement une très belle histoire. Avec Jules Chéret, c'est un peu l'inverse du style Bashkirtseff. La lumière et les couleurs explosent. Jules Chéret, c'est aussi l'étape suivante pour cette villa, l'étape de la municipalisation du bâtiment. Je dirais qu'après, justement, toute cette émulation d'une villa privée, la ville va donc acheter cette villa avec l'intention de créer un musée. Et Chéret va être donc ce personnage qui a permis finalement, d'abord que le musée s'appelle Jules Chéret, mais surtout lui-même arrive à Nice, il va y passer de nombreuses années, et à l'origine, c'est quelqu'un qui, au niveau de la modernité, a été fondamental, puisque c'est lui qui va inventer l'affiche
grand format, grandes images, je veux dire, qui vont faire plus d'1,20 m, voire 1,30 m de haut, ce qui va permettre effectivement la publication d'un certain nombre d'événements à Paris à l'époque, d'où la vie nocturne. Et surtout, on va rentrer dans cette idée de ce 19e siècle, toujours assez prédominant, où on est en train de participer à l'électrification de Paris. Et donc, qu'est-ce qu'on va électrifier? Eh bien, évidemment, les quartiers où il y a une vie nocturne, dont l'opéra. Jules Chéret va donc participer, évidemment, à l'annonce de ces événements nocturnes, mais aussi, je dirais que dans ce domaine strictement pictural, on voit justement cet intérêt pour la lumière, une lumière qui n'est pas du tout une lumière naturelle, c'est une lumière artificielle. Dans certains tableaux, j'aurais presque envie de dire, et même si c'est un mot qui ne devrait pas être, même presque abstraite comme lumière. Tant il est vrai, il va forcer la tonalité, mais du coup, ça devient festif, ludique. Le Musée des Beaux-Arts de Nice propose à nos regards de nombreux autres grands maîtres de la peinture comme Van Loo, Landau ou le fantastique Félix Yem qui vous emportera d'une magnifique façon de la Russie jusqu'à Venise.